Triceratops. Sont-là et ça va chauffer. Des chaussettes à chanchonner surgit du confinement. Mesdames et messieurs, en ce jour joyeux du 1er novembre, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette émission littéraire confinée en chansons, chausostrophes. Et nous avons l'immense plaisir d'accueillir ce soir le fougueux John Gus Hallidus qui vient nous réconforter avec son titre visionnaire. John Gus Hallidus. À force d'être notifié par des choses dérisoires, de sortir qu'un masqué pour aller chez Picard. John Gus fait ses courses chez Picard. Trop séduit au succès de Netflix et d'Amazon. Alors moi, pour toujours, je suis une souris dans chaque main. Je vois passer l'automne. À belle image, où puisez-vous donc votre inspiration, monsieur? À force de laisser l'écran brûler mes yeux, des séries de nuit blanche devant la lumière bleue. Oserais-je vous conseiller un écran filtrant? À force de ne pas savoir comment faire le bon choix d'un bouquin prometteur du libraire près de chez moi. Alors je vous conseille Grégoire du tome 47. J'ai oublié de lire. J'ai oublié de lire. Niaudrait-tu par un peu de mauvaise foi, cher John Gus? À force de consommer sur des écrans minables, des films tronçonnés par des pubs échangeables. On peut répondre tout ce problème par un abonnement premium, savez-vous? À tout télécharger sans désir ni passion. Vous risquez l'enquête Adobe. Le 7e art se fond dans la télévision. Je n'ai qu'un mot à dire, bravo l'artiste. À force d'avoir perdu le désir d'être ensemble. Oui. De crier, de vibrer au milieu d'une salle comble. Oui. À force de ne plus croire au spectacle vivant, de connaître les clowns à travers les écrans. Mais où voulez-vous en venir exactement? J'ai oublié de rire. J'ai oublié de rire. Je pense que dans votre état, un lexomine ne serait pas superflu. Allez donc voir la loge. Merci John Gus, c'était une chanson très émouvante qui m'a fait frissonner. Et quant à vous, je vous dis, ne vous emballez pas, prenez soin de vous et restez masqués.